Oui, Hamad a joué le week-end dernier une mi-temps avec la réserve, donc on est très content de le retrouver, sachant que Cheikh Traoré est blessé, Luis Cado aussi, plus Chris Rocchia et Cyril Etoga. Donc voilà, on est très content de pouvoir et récupérer Hamad. Bah, Cheikh, il a senti une gêne à la mi-temps à Niort. Bon, c'était pas trop méchant, il a serré les dents pour tenir sa place sur la seconde mi-temps, mais sur la fin de match, ça tirait un peu plus. Donc là, depuis le retour de Niort, il est à l'infirmerie. Luis Cado, c'est un coup, voilà, sur l'opposition, il a reçu un coup à son pied, donc c'était trop juste pour le match de demain. En général, oui, mais là, dans notre situation, on a besoin de retrouver aussi cette victoire. Donc là, on va aligner une équipe très compétitive demain. C'est un exemple au quotidien par son investissement, par le travail qu'il fait. Il aurait mérité de jouer, mais Baptiste fait ses matchs, il est performant. Donc raison pour laquelle on n'a pas beaucoup vu ça cette année. Mais en tout cas, ce que nous montre sur les séances, c'est quelqu'un de très investi, quelqu'un de très appliqué. Et oui, pour les matchs de coupe, c'est lui qui va les disputer. Non, c'est une compétition complètement différente. Donc à nous de l'aborder avec toujours la même ambition qu'en championnat, c'est-à-dire de vouloir gagner tous les matchs. On sait que voilà, pour gagner cette Coupe de France, il faudra nécessairement gagner tous les matchs. C'est pas comme championnat où on a une seconde chance. Donc voilà, on commence cette compétition avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, pour ça, on va mettre la meilleure équipe possible pour aller demain gagner ce match et puis continuer cette aventure en coupe. Le charme de la coupe, c'est qu'une équipe de Ligue 1, une équipe de Ligue 2, de National peut être en difficulté contre des clubs amateurs. Maintenant, on le sait, chaque année, il y a cette possibilité-là, mais il faut toujours être très concentré. Nous le sommes. Maintenant, c'est un match que nous voulons gagner. On se prépare et puis on va se donner à 100% pour continuer l'aventure en Coupe de France. Et comment vous avez étudié ? Oui, avec le staff, on a travaillé là-dessus. Ce que je répète, c'est toujours respecter les adversaires, quel que soit leur niveau. Quand on affronte un adversaire, on se doit de savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Donc voilà. Mais le plus important pour nous cette semaine, c'était de travailler sur les axes d'amélioration que nous avons pour la durée. Mais oui, forcément, pour revenir sur la coupe, ouais, il faut respecter les adversaires. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Bah, c'est le groupe. Voilà, c'est clair que l'objectif du club, de tous les clubs en début de saison, c'est le championnat. Après, il y a la coupe qui vient mettre un peu de piment dans une saison. Donc ça appartient au groupe, maintenant aux joueurs de faire ce qu'il faut pour pouvoir continuer dans cette aventure. Ça va donner aussi du temps de jeu à certains. Mais comme je répète, l'objectif primordial et principal du club, c'est bien évidemment le championnat. Mais cette Coupe de France, nous allons la jouer à 100%. Bah, les jeunes qui s'entraînent avec nous, qui montrent de très belles choses, c'est Yanis Chahid qui est avec nous quasiment depuis le début. Mais il se retrouve à un poste où il y a beaucoup de concurrence. Il y a des joueurs comme Matteo Alainvi, comme Desipi, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc voilà, il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là. Mais c'est un garçon qui fait beaucoup de progrès, qui progresse séance après séance. Donc maintenant, à lui de continuer à avancer dans ce sens-là. Mais pour demain, comme je le répète, il y a des garçons qui ont plus d'expérience, qui sont aussi en manque de temps de jeu, du fait que dans ce secteur de jeu, c'est très étoffé. Mais je pense que c'est un garçon qui fera partie du groupe et on verra en fonction de la physionomie du match. Oui, c'est sûr, c'est un contexte qui sera différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement, mais on est des professionnels, quel que soit l'adversaire, quel que soit le terrain, on doit être en capacité d'y répondre. Donc par rapport à ça, on est préparé et puis on sera prêt. Et puis c'est pas la première fois que les joueurs jouent en coupe. L'année dernière, ils ont joué Saint-Apollinaire, ils ont joué Morteau, il y a eu un match à Cannes. Donc les joueurs sont habitués à disputer ce genre de rencontres, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, parce qu'on est tous issus du monde amateur. Donc j'ai joué à Thonon-les-Bains à l'époque. Donc oui, on a eu à jouer des matchs de Coupe de France. Donc quand on recevait un club professionnel, c'était toujours beaucoup d'enthousiasme autour de la ville et du club.
Mais pour nous, les joueurs professionnels, ouais, ça permet aux clubs amateurs de se confronter à des joueurs de ce niveau-là. Maintenant, comme je répète, nous, ce qu'on veut, c'est continuer cette aventure en coupe. Donc, on va aligner des joueurs, voilà, qui vont aussi profiter pour avoir du temps de jeu et puis pourquoi pas gagner des places pour les matchs à venir.